au couple de Mougouli. Ils sont maintenant en Bengue. Maintenant, c'est Didier Congélateur qui reste maintenant gérer sa plainte. Nayo, nayo. Dan, 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 dan. Didier Congélateur était tranquillement tranquille dans son coin. Couple Mougouli qui aime le buzz. Maman a buzz et papa n'a buzz. Ils sont en train derrière l'enfant. Chercher buzz derrière l'enfant. Voilà l'enfant qui est calé dedans. Ils sont en bain. Voilà le couple Mougouli qui a entraîné l'enfant, utilisé l'enfant pour faire les buzz avec. Pendant que le buzz a pris, ça a plongé l'enfant dans un dème pas possible. L'enfant a un dème en faisant miam miam à une petite fille. En faisant miam miam sur un plateau de télé à une petite fille. Voilà maintenant qu'on dit que ONG a porté plainte. Mais Brian, je vais aussi mettre la vidéo de la plainte qu'on dit que wow, sauvez-nous, oh. Venez-nous en aide. Oh. La vidéo qui dit que sauvez-nous, oh. Pardonnez-nous. Oh. On ne savait pas que c'est comme ça qu'on allait faire. On ne savait pas. Pardonnez DJ Congélateur. Oh. Car il pame là. Car il flippe un peu. Pardonnez-le. Oh. Quand le buzz prenait, maman a buzz et papa n'a buzz. Comme buzz au cobuzz li. Couple n'a mougouli mougoulito. Ils ont entraîné l'enfant dans le camp de Mougouli. Buzz. Maintenant, le buzz a baisé. Ils ont fui son Mbengue. L'enfant va gérer sa plainte. En partant en Mbengue, ils ont pris l'enfant dans la paix du Seigneur. Appelé sa soeur, une autre soeur, Mboutoutou, qui avait accepté qu'on ne pas prendre son petit frère dans les mains de son manager qui l'avait lavé, qu'il était devenu propre. Ils ont appelé sa soeur et dit que reviens prendre ton colis. Tout tranquillement, tranquille dans la paix du Seigneur, tu retournes dans ton petit trou à rat au village, tranquille. C'est aussi Mboutoutou m'est venu aussi récupérer DJ Congélateur. Ils sont encore retournés maintenant dans leur trou, dans leur village. Couple de Mougouli et de Mbengue en train de déguster leur mbeng, en train de choquer leur froid dans la paix du Seigneur. Quand on vous dit qu'il y a des personnes avec qui il ne faut pas traîner dans la vie, il y a des personnes que, quand ils sont en haut, ils cherchent encore à exploiter encore tous ceux qui sont en bas pour remonter encore vers le haut. Vous dites que non. Voilà le couple de Mougouli qui entraînait Didier Congélateur, qui menait sa petite carrière avec manager confirmé, tranquille. Je vais vous mettre la vidéo que toujours la famille de Didier Congélateur demande pardon à l'ONG qui a porté plainte. Si c'est toujours le buzz, c'est que votre buzz là, ça va vous donner le tarot sans sauce. C'est que votre buzz là va vous donner le couscous sans sauce. C'est que votre buzz là, vous n'êtes pas être très long. Je vais vous mettre la vidéo. Vous allez vous-même écouter. Vous écoutez, non? Une ONG a porté plainte contre le congélateur. Suite à la vidéo que nous tous on a vue. Mm-hmm. Voilà. Vidéo dans laquelle il embrassait la petite. Ils ont porté une plainte. Mm-hmm. Et c'est à cause de ça, mm-hmm. Lolo Beauté et Tiesco ont fui. Mm-hmm. C'est le nom qui est là. Voilà. Ils ont fui. Mm-hmm. Et ils ont pris l'enfant. Ils ont remis l'enfant à sa soeur. Mm-hmm. Parce que c'est elle qui les a vendus, l'enfant. En tout cas. Donc, eux, ils ont fui, ils ont laissé l'enfant à sa soeur. Mm-hmm. Vraiment, famille, c'est grave. C'est grave, c'est très grave. Nous, ce matin-là, pardon. Je vous fais écouter. Pour ce que Congélateur a fait. Parce que quand il était avec Confumé, on n'a jamais vu ça. Raison pour laquelle nous, on avait l'assurance quand il était avec Confumé. Mm-hmm. Aujourd'hui, il a collé son image à un groupe de pervers, un groupe qui passe leur temps à Mougou seulement. Couple de Mougouli. Son image aujourd'hui, voici l'affaire. Mm-hmm. Voici où l'affaire s'en va. Mm-hmm. Nous, on demande pardon à l'ONG qui a porté plainte contre Congélateur. On vous demande pardon. Mm-hmm. Congélateur, c'est pas un enfant normal. Mm-hmm. On vous demande pardon. Mm-hmm. S'il était censé, là, quand même, nous tous on réfléchit, il n'avait pas fait ça. Mm-hmm. Et on vous demande pardon. L'ONG en question, on vous demande pardon. Mm-hmm. En son état mental, retirez votre plainte. Mm-hmm. Il n'est pas normal. Mm-hmm. Vous pouvez retirer votre plainte parce que l'enfant vraiment est malade. D'accord, oui. S'il vous plaît, ONG, retirez votre plainte, s'il vous plaît. Nous, ce matin,
Prochain à suivre. Vraiment, c'est grave. Vu son état et sa manière de quitter le congélateur, pas faire deux jours en prison. On vous demande pardon. De toute façon, il a embrassé le petit et la petite, il n'a pas fait ça sciemment. C'est vrai. Voilà, pardonnez-le. Maman Nabeuf et Papa Nabeuf, couple de mougouli@.com. Voilà alors la réalité qui est là. Si c'est toujours le buzz, c'est que votre buzz là va vous finir par vous donner le piment à lécher. Va finir par vous bouger un peu. On est là. Si c'est le cas, vraiment, pardonnez vraiment ce petit. Il ne sait pas ce qu'il fait. Déjà qu'on dit que il me parle là. Pardonnez-le si c'est vrai. Mais si ce n'est pas vrai, on en a marre de vos sales beurs. Arrêtez un peu. Couple de Mougouli, arrêtez un peu. Sinon, c'était un brillant. Partagez et likez. Mettez les cœurs. Et pour tous ceux et celles qui disent que je parle dans l'affaire du Cameroun, je laisse l'affaire de la Côte d'Ivoire là. Je vais parler dans Pierre-Lan. Je vais parler. Ils me disent en commentaire de m'occuper des choses du Cameroun et de laisser les affaires de la Côte d'Ivoire tranquille là. Tout ce, je vous rappelle, je vous dis que tout ce qui se trouve sur la toile là, tout ce que, dès que j'ouvre mon téléphone, ça vient en actualité là. Je parle de ça comme ça me plaît, comme ça m'enchante, comme ça me pique et comme ça me fait ce que ça fait. Je parle de ça. Que ça soit même de Sonkoubomo, je parle de ça. Que ça soit même de Tokyo, je parle de ça. Que ça soit même dans une planète où on ne connaît pas, je vais parler de ça. Donc, ceux qui parlent de ça, ils parlent des affaires de Cameroun, laissez les affaires de la Côte d'Ivoire comme ça. Je vais pas parler d'Ampian. Quand vous-même, vous parlez les choses du Cameroun, on vous arrête de parler. Le général Camille Makosso, Lolo Boté aussi, qui avait chargé l'affaire de notre mignon ténor sur sa tête-là, on l'avait empêché de parler. Général Camille Makosso qui avait chargé l'affaire, qui charge l'affaire du Cameroun, tout a eu sa tête. On l'empêche. On n'empêche pas. Tout ce qui est sur la toile quand tu es blogueuse, même si tu es blogueuse blagata comme moi, je vais parler de ça. Dans mon blog, blogosia de blagata de ça, je vais parler de ça. Donc tout ce que vous racontez, hein, en commentaire, hein, ou bien pas de ce qui te regarde, pas de ce qui se passe au Cameroun. Que ça se passe au Cameroun, oh. C'est moi qui choisis ce que je vais parler de ça. Même si en même temps, il y a le buzz en Côte d'Ivoire et le buzz au Cameroun. Si je choisis de parler que de la Côte d'Ivoire, si mon cœur me dit de parler que pour la Côte d'Ivoire, je parle. Are you understand me? Capiché? Après, tu signes ton main dans le jouet. Puis après, tu mets à ton gaba. Je suis là, je suis comme ça. Je suis là, je suis là. Je Sinon, c'était un bouillant. Partagez, likez, mettez le cœur. Bisous. Gagne qu'on était. Peux-tu me partager?